L'association nationale des guides, l'association des guides nationaux et des chauffeurs touristiques de Madagascar a été créée en 2017, plus exactement en avril 2017. Cette association a pour but spécialement de partager et surtout de conserver l'environnement. Actuellement, nous sommes à peu près 250 membres adhérés et actifs. Il y a une partie de ces membres-là qui sont venus ici pour le croisement qui s'est tenu aujourd'hui même, le 3 mars 2018. Nous, on est là parce que ça fait partie de l'éthique de guide, de la conservation, la restauration de la forêt et surtout la conservation de l'environnement. Alors, c'est pour cela que nous sommes ici maintenant, c'est pour garder cette éthique-là et c'est pour montrer aussi à d'autres entités, c'est pour montrer aussi comme modèle pour la population que nous, on devrait participer quand même à la conservation de l'environnement qui commence à bouleverser maintenant par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui est feu de brousse, tout ce qui est érosion, tout ce qui est catastrophe naturelle qui s'est passée par exemple dernièrement.